Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Pokémon Diamant Étincelant. Nous voici devant les Psychoquacks. On a le remède qui devrait nous permettre de passer. Yes. Ils sont censés avoir mal à la tête. Ils font pas comme dans les animés, c'est triste. Hein. Ils auraient pu se tenir la tête comme ça, en mode ah, en mode on a la migraine. Ok. Allez, oust. Oust, les Psychoquacks. Oust! Ah, le retour de Cynthia. Et non pas Ingrid. Excellent, tu as utilisé le remède secret. Les psychoquacks sont connus pour leurs maux de tête chroniques. Mais on ignore ce qui les provoque. Mais j'y pense, puis-je te demander un grand service? Merci. Je voudrais que tu livres ce vieux gris-gris à ma grand-mère, à Celestia. Je sais qu'il y a des Pokémon rares entre ici et Celestia. Ah ah! Peut-être des nouveaux Pokémon? Peut-être une envie de dab fulgurante. La droïde de la ville. Let's go! Nice, j'imagine. Ok. Alors la ville a l'air très petite hein, par contre, vu d'ici. Niveau team, pour l'instant, on a une petite Ayami qui commence à level up. On a un Akuma qui va pas rester, donc j'aimerais trouver peut-être un Givrali, ce serait cool, c'est ce qu'on disait sur le chat avec les gens, mais un Pokémon eau ou glace. Cradopo, on va utiliser un petit peu. Donc j'ai peut-être quelque chose qui ressemble à une team là. Mais Akuma par contre j'aime pas. Je l'ai remis histoire d'avoir de l'eau mais... J'aime pas le design, j'aime pas trop le principe du Pokémon. Alors par contre les autres herbes qui te ralentissent comme ça c'est un peu chiant. Et les ninjas secrets, c'est quoi ça? Faut avoir battu la ligue pour avoir évolué, faut finir le jeu pour avoir évolué. Mais quoi, qui... Lucas le ninja. Il n'y a plus pour... Rakayu, ah. Bah, Yami... Ah si, on voit la petite marque devant, là, ces aides posées. Comment vous dire? Est-ce que ce serait pas le moment pour Akuma de briller? Une dernière fois avant de mourir. On va essayer. Tempête de ça. Ça pique les yeux. Pistolet à eau. Le one shot quand même. J'y peux plus. GG. La puissance d'Akuma. La petite loutre. J'aimerais quand même la faire évoluer avant de. À quoi j'ai pas tiens voilà. Un peu plus d'efficacité. Je pense qu'on va lui enlever Vivatac. Pistolet à eau en vrai. Qui va utiliser pistolet à eau? Attends, c'est que 40 en priorité. Ah, il a quand même une forte attaque spé. Hein. Ouais, bah, c'est la même chose, sauf que là, c'est en priorité. Ouais, let's go. Je pensais que c'était un peu plus puissant quand même. Je suis un peu déçu. Aïe, les yeux, ça pique. Let's go. À quoi j'ai. Ça manque un peu de puissance, hein. Esquive. Ah. Je pense qu'il va mourir. Et nous tirons tous. Oh. J'aime bien les faire partir après une mort. Allez. En mode adieu. Piétisseur. Il a zéro résistance hein, cette scène. On va pas tenter le piaf. Parce que j'ai un peu peur. Premier combat avec Cradopo. C'est parti. Let's go. Ça c'est en priorité je crois. Ouais. Vampire point qui a l'air vraiment plutôt cool. Voilà.
Kibix qui est bientôt niveau 38. Oh, oh j'admets ma défaite. Ah. Bon, tant pis pour la loutre. Hein. As-tu petite loutre. Tu ne me manqueras pas. En attendant, est-ce qu'on remettrait pas... Oh, Azumarill. Si on peut la focus. Ce sera pas pire que lui. Bon, classé. Hop. C'est vrai quand elle évolue. Enfin, je dis elle. Attends, elle m'a dit qu'il y avait des nouveaux Pokémon. Je me tape la vieille coccinelle que personne n'aime et que personne n'a jamais joué dans sa vie. What the fuck? Elle m'a menti. Je reporte Cynthia. La menteuse. Ouh, la menteuse. Elle est amoureuse. Après, je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que les Pokémon glace, ils ont un... Ils ont un charisme. Non mais vraiment. Ah, tu peux pas pédaler là-dedans, c'est vrai en plus. J'allais dire, au moins je pourrais avancer plus vite. Eh ben non. Y a pas de détour... Non. Ok. Un objet. J'en étais presque sûr. Première hyperbole du jeu. Yes. Peut-être que maintenant on va pouvoir en acheter. Attends. Anti-boom. Qu'est-ce qui va me faire l'anti-boom? C'est pas encore le castor, j'espère. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas un Pokémon Vol de ta team. Je trouve ça tellement caca. Ah, et vu que là c'était protégé par de la boom, c'est peut-être là qu'on va avoir des nouveaux Pokémon en plus. On peut plus. On se tape. Les mêmes Pokémon depuis 125 ans. C'est merveilleux. LOL et non. Même pas Mivi. Grâce pour nous. Avec quelle attaque. Arclos lumière. Ah c'est la défense, c'est pas l'attaque, pardon. Autant pour moi. Un petit coup crit. Ah bah. Merci Ayami. On s'en bat. Bon. Pour l'instant, Cynthia m'a... Attends, j'ai pas fait gaffe. Il y avait un truc par terre en plus, j'ai cru que c'était un caillou. Yorick. Oh, Yorick. Ça existe Yorick? Pardon LOL. Yorick. Je sais pas. Ouf, là, le combat il va être nul là. Après normalement c'est assez faible Sphératine. Faudra qu'on le mette au moins mi-vie. Ah oh, bah d'accord. Je pensais pas que c'était si faible que ça quand même. Mais du coup je vais lui mettre au moins le truc pour la thune à lui là. Je pensais plus mais... De gagner un peu d'argent. Chauve de main. Vous voyez, par rapport à la dernière fois, j'apprécie un peu plus déjà cette session. J'ai l'impression qu'on avance au moins. J'ai eu deux nouveaux Pokémon. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on le one-shot aussi? Alors peut-être, yes. Ouf, Staralto, ça va être un peu plus problématique. Je pense pas qu'il me one-shot quand même. Ah, ça va être plus rapide. Fuck. Oh, le poisson. Ayame. Ouah, la différence de... Ouah, adieu Ayame. Tu t'es battu fièrement. Mais bon, je la garde dans la team quand même. Est-ce que je le crame avec mon Pokémon cheaté? Il me fait un peu peur quand même. Hein. Ouais, c'est Kibix mon plus fort. Hein. C'est même pas le starter. Ils sont sur Fortnite, je pense.
rafale psy. Psycho, je me demande quand est-ce qu'elle l'apprend aussi. C'est trop classe Psycho à l'époque. Je sais pas quelle est l'animation dans ce jeu, mais je veux. Ah, du coup, il y a un mec qui prend pas l'XP. Ah. Ça te va. 500. Ah, oui. Le petit gamin. Oh! Bah, on va pouvoir déjà dégager Marine. Yes. Azumarill. Deuxième génération. Où j'avais vu un Pokémon vol, il y a l'évolution de Togepi qu'il n'y avait pas à l'époque. Qui tue un vol. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faut dégager Ayame. Et ça me fait mal au cœur. Petite Ayame. J'aimerais quand même l'avoir évolué au moins une fois. Toi, du coup, Oust. Est-ce qu'on a un Pokémon haut qu'on pourrait rentrer par ce fucking Akuma? Bébou, on peut remettre Bébou peut-être pour avoir Poisson Roi. Je peux faire la phrase improbable. Je remets Bébou. Et comme je suis un fifou de la vie, on va carrément utiliser les objets de soins. Chose que je ne faisais jamais avant. Potion, hop. Voilà Yami, t'es toute neuve. Oh putain, que le temps. Quel rang. Ah c'est juste pour éviter les hautes herbes, d'accord. C'est niveau. Wow. C'est presque conceptuel. Oui dictate mais c'est bizarre, donc c'est à toi. En tant que top dresseuse, je dois prendre les combats avec philosophie. Je dois rester calme dans la victoire comme dans la défaite. C'est trop long de faire la cure, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça se fera un jour. Bonita. Oh, Bonita, ça fait un peu mal quand même. Hein. Je sais pas. Niveau 27, je pense que je vais pas prendre de risque. La pauvre avait à peine de revenir. Bébou, ça va pas le faire. Est-ce que Zinek pourrait tanker? Et d'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre la pièce. On va essayer de faire tanker Zinek. Faut que je mette la pièce. Je pense la pièce, la pièce, la pièce. La pièce. Rougissement. Arius, c'est Arius. Arius, fucking Arius. Bravo! Bravo! Ah, Ayame qui level up. Assurance. C'est quoi assurance? C'est un bonus? Ah non, c'est des dégâts. Ah, peut-être à la place de tornade. Cette attaque est deux fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour. Mais à part si tu mets un. Comment tu veux faire ça? Avant d'avoir mis un Pokémon avant qui met genre comme la tempête de sable. Et encore il est blessé après. Je comprends pas. Dans quelles conditions tu déclenches ça à coup sûr? Oh il est trop mignon. Dommage qu'il devienne aussi moche en niveau. On va le mordre. Oh non, ça va être un combat de. Oh là 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 là. On a un combat en duo. Ah oui, c'est vrai, dictate. J'ai oublié cette mécanique. Après, j'y pense moins parce qu'on est pas dans Temtem, mais. Oh là là. Ça prend un petit peu de temps là. J'ai pas de Pokémon feu. Je me concentre sur la glace et l'eau, mais. Le feu là. Faudrait juste que. Je sais pas si genre Harry peut apprendre un truc comme lance-flamme.
histoire d'avoir moins une attaque feu. Ou genre point feu sur Cradopo. Si ça peut marcher, un truc du genre. Ça pourrait être cool. Par contre, je sais pas c'est quoi le pourcentage pour foutre la trouille, mais j'ai l'impression que c'est un peu abusé. Mais là, même le piaf, il aurait fait le taf. Hein. Mais bon. Je sais pas si Ayame aurait survécu. Comme ça, ça te perturbe. Oh, Bibou qui level up. Peut-être un poisson roi. Ça monte un peu le Pokédex. Ah non, on a perdu. Ah. Bibou toujours au top. Je ne crois pas. Non. Bonsoir. Du coup, attends. Non, c'est pas ça. Je vais lui donner la pièce là. Donc, c'est Ayame qui est en première ligne. C'est là-dedans, je sais plus. Pièce ou Ayame. Donner. Hop. Est-ce qu'on a un truc. Ah ! Je me suis remêlé les touches. Attaque spéciale de base. Ça, ça pourrait être bien sûr. Arrimé, elle a déjà un truc. Y a pas un truc combat ou. Attends. Poison, spectre. Combat. Je pense qu'on va lui mettre ça. Hein. La petit combat là, c'est pas mal ça. Ouais, bah, écoute. Plaque poing. Hop. Par contre, niveau design, c'est quoi ça? Plaque combat, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Au secours. C'est drôle parce que Célestia, on va vers le ciel. C'est. Enfin, bref, je me comprends, on se comprend beaucoup. Attends, il a parlé de ses biscottos. Nigel qui m'a rattrapé. Bah, après, je joue lentement. Ma chopper. Le problème, c'est que. Ils avaient les cuisses des. Aussi détaillées avant. Je suis pas sûr. Regarde-moi ses cuisses, ça y est. Oui, j'allais dire, le problème, c'est qu'il est au level. S'il me lance une attaque roche, RIP. J'ai Ayame. J'enverrai bien Harry, mais j'ai peur qu'elle se fasse one shot. Avec sa défense ridicule, donc on va envoyer le petit tank. T'as la différence pour tank. Vampire. On joue la sûreté. Je sais pas combien de temps je vais mettre à tuer ce machin. D'accord, c'est pas ma connu. Oui, sens. Je sais pas si c'est vraiment efficace, Vampire. Mouais. On va partir sur Trancherbe. J'ai fait durer le combat pour rien. Yeah, wonderful. Bon, c'est juste Ayame ouais, qui est un peu faible avec niveau bah, 26 du coup. Quoi? Quoi? Un combat? Pourquoi faire? Je vais essayer de passer là pour voir. On va re-heal Ayame. Les potions, on en reprendra plus, c'est bon, hop hop hop. Un petit peu de vélo, je sais pas où on va là. Mais putain! Fucking ninja! Oh là là, retourne streamer sur Fortnite là. Gauthier. Ça s'écrit avec un L, Gauthier? What? Le Gaultier, c'est un peu bizarre. Putain, une mythe dégueulasse. On dirait Aéromythe raté en fait. Bah let's go. C'est pas le one shot quand même, mais pas loin.
Ah, je pensais pas l'apprécier, mais en vrai, je crains pas le petit cornel. Hein. C'est bien le nom, je l'écorche pas. Parce que du coup, du fait de renommer les Pokémon, j'ai plus les noms de base. Il y a peut-être pas envie d'esquiver, mais bon, avec le vélo, j'ai même pas vu. Bibou qui passe niveau 20. Hâte. De toute façon, je m'en fous, Bibou, t'es juste là pour augmenter mon Pokédex. Hop. Go juste level up, s'il te plaît. Harry qui passe niveau 30. Attaque speed 116. J'avais pas vu. Ça fait mal. Ça fait mal. Attends, mais il servait à quoi l'autre en bas là? Ah non, c'est ici que ça sert à rien. Ok, c'est juste pour un item. Okay. Enfin, ça sert à rien. C'est pas la route quoi. Ballombre. Je crois que Ballombre c'est pas dégueu. Hein. Je pense que ça va surclore mieux ça. Est-ce que j'ai des CT de feu hein? Parce que moi, Attends, est-ce qu'on peut les trier déjà? Trier par type, c'est possible ou pas? Numéro non nouveauté. Tu peux pas trier par type. Ok. Ok, très bien, soit. Zénith, mais ça c'est. C'est pas intéressant. Ça. Je pense que point feu ça irait sur Cradopo, mais j'ai rien en fait. J'ai pas d'attaque feu. Et du coup là on vient d'avoir. Mince. Ballon. 80. Ça va sur Cradopo, mais bon. Après, attends, Ayame, elle est plus SP attaque normale ou attaque SP? Je sais même pas. Après, est-ce que je vais vraiment le garder? Je suis pas sûr non plus de le garder 8 ans, ce Pokémon. Hein. Attaque SP, ah, c'est son point faible. Il limite plus fort en attaque, mais c'est peut-être grâce à son point faible qu'il est comme ça, je sais pas. Donc on va s'abstenir. Le ballon, c'est cool. Je suis pas sûr de pouvoir en récupérer facilement. Donc, Je suis même pas passé devant toi, le mec il est en diagonale. Non mais du coup j'avais retrié les objets. Du coup ça avait été mangé. Cradopo. Combat. Bah combat j'ai l'avantage, c'est bon. Le one shot. Alors peut-être. Non je suis pas sûr. Ah si. Ah bah tiens. Eh bien, mais. Ah, Yamé, elle est vénère, ça y est. On l'arrête plus. Se faire alto, ouais, non, ça c'est un peu plus compliqué. On va prendre le risque. Je pense qu'on va envoyer directement Kikibix. Hein. Et du coup, un Pokémon feu, à part Ponyta et Demolos que j'ai pas envie d'intégrer. Alors dans la première génération, bon déjà t'avais le starter bien sûr, mais t'avais Kalinos, t'avais Ponyta, t'avais Wupix, t'avais beaucoup plus de Pokémon feu, même des... Enfin, ça arrivait assez vite je crois. Hein. Les Kalinos et tout, là je crois que c'était assez tôt dans le jeu. Je suis un peu déçu. Mais non mais... Oui, merci à Yami, mais... Mais non, mais... Il y a un objet... Mais putain! C'est le vélo qui la rend folle? Bah ouais. Boule de fumée, c'est quoi une boule de fumée? Ok, je sais pas à quoi ça sert. Bonsoir, je viens en paix. Genre de mettre Kibix devant pour se cramer tes oiseaux. Ah oui, Magmar, en plus j'en avais parlé, Magmar, parce qu'il évolue. Mais je trouve que les évolutions de Magmar et Elec machin là, Elekid, après il évolue en Elektek, et après t'as une évolution, je trouve ils sont gros, ils sont pas beaux. Mais oui, on avait parlé de Magmar la dernière fois, vu qu'il y a la troisième évolution, enfin il y a le petit Magmar et celui d'au-dessus. Attends, j'ai même pas regardé ce que. Okay. Mais il fait mal en vrai, hein. Faut juste que je sache comment le faire évoluer, s'il faut un item ou pas. Parce qu'il est quand même niveau 27, il évolue pas.
faudra que je regarde. Sulfura, je sais pas si les enjeux Pyroli, ouais, mais pareil, évolue, tu l'as qu'à la fin du jeu. Faut avoir fini la ligue. Donc, il va péter les airs. Donc, Magmar, ouais. Première génération aussi, mais du coup, il y a l'évolution qui n'existait pas. Magby, Magmar et Maganon. C'est ça le. Oh, Noirfang. De toute façon, ça touche. Je sais pas si ça touche à tous les coups. 27, ça va lui faire 27 de dégâts, c'est ça? Ça n'affecte pas, putain. Pourquoi ça. Parce qu'il est normal? Je sais plus. Attends, il vient dans ses vols là? J'ai pas compris. J'ai pas lu, j'ai pas fait gaffe. J'ai peur. Je vais mourir. Parce que, attends, s'il a lancé vol et qu'il est encore sur la map. Pokémon sur Game Boy faisait mieux. Je sais pas ce qu'il a lancé, j'ai pas lu. Ah, pitié. Si, c'est le. Bon, on va dire que c'est pas vol, donc c'est normal qu'il s'envole pas. Je sais pas. Il est normal, ouais, c'est pour ça que ça l'affecte pas. Okay. Merci pour la précision. Y'a pas l'air d'avoir de Pokémon feu dans ce jeu. D'après la liste de Pokémon trouvés sur Internet. Ouais, c'est dommage. Parce que feu, c'est un type important quand même. C'est efficace sur la glace, sur la plante. Ouais, normal vol, oui, c'est pour ça que ça l'a pas affecté. Mais ce qu'il faudrait, c'est juste un point feu sur Kradopo, histoire d'avoir du feu sous la main, et puis c'est tout. Comment je vais. Ah, cascade peut-être. Ah, mais oui, il y aura peut-être cascade dans le jeu, parce que je vois que ça fait des cascades. Faudra s'en rappeler, t'as un vieil objet ici là. What the fuck. Peux te tourner s'il te plaît. Merci. Je récupère les baies vite fait. L'attaque c'est piqué pas vol, oui, donc c'est pour ça. Mais elle est en deux tours aussi, j'ai l'impression que c'était bizarre. Donc je me suis dit, c'est Nintendo, hein, donc ça se trouve ils ont fait une attaque vol un peu nul à chier où tu vois juste les ailes qui s'envolent mais tu vois pas le Pokémon disparaître de la map. C'est pareil pour tunnel, normalement tunnel le Pokémon disparaît, donc qui s'enterre. Du coup on arrive à Celestia. Oh. Et la Team Galaxy. Salut, salut. Alors, on étudie l'histoire locale. Calme-toi, monsieur. Le mec il m'agresse. Métrio, quoi. La ville a l'air sympa, entre guillemets. Elle doit être là, la doyenne. Ok, il n'y a pas de boutique, mais... Il y a un petit marchand ici, quand même. Lunette sage, ça compte quoi, du coup. Capacité spéciale. Ça, c'est bien sûr une Harry, par exemple. Bienvenue. Je ne suis pas une marchande, mais bah, je fais tout pareil. Donc t'es marchande. Quoi. Super repousse. Si un jour il y en a besoin, voilà, on va en prendre 5. Hop, merci, Jean-Jacques. Et Pépé à côté, il veut quoi? Eh Pépé. Ah, tu vends tes balls spéciales. Le mec vend ses balls. Merci. Du coup, pour l'instant j'évite la grande maison, c'est normal. Au bout de 211. Ça rejoindrait, ok. Ah par contre elle m'a dit qu'il y avait des Pokémon sympas sur la route, j'en ai pas vu un seul. Elle m'a menti. Tu sais ce qu'on raconte? Il paraît que c'est un Pokémon qui a créé la région de Sinnoh. Oh. On ira voir après Team Galaxy. Est-ce qu'on aura le temps de le faire? On est à 30 minutes d'épisode. Oh, un Call of. J'ai toujours pas compris l'utilité de ce Pokémon. Montre analogique. Waouh, j'ai l'heure. Elle est où, là?
Ok, j'ai l'air, mais je sais pas où. Pour la peine, je sauvegarde. Merci. Parce que des fois, tu peux partir sur un donjon d'une demi-heure, entre guillemets, si on peut appeler ça des donjons déjà, pour commencer. Mais, et des fois, c'est des trucs qui durent 3 minutes et demie. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire la grotte tout de suite ou de le garder pour le prochain épisode. Des anciennes gravures. Oui, mais c'est lié à un Pokémon. Un Pokémon légendaire, non? Donc quoi, la grotte là, c'est rapide? Attends, je vais aller voir s'il y a la doyenne dans la maison, parce qu'on a quand même un objet à lui donner. J'ai pas essayé de pêcher non plus, mais bon, c'est pas vraiment vu pour Sirène ou un Magikarp. C'est bon. Je vais attendre d'avoir la prochaine canne, parce que... C'est pas une doyenne, ça. C'est un pépé. C'est Pépé. Ouais, d'accord. Ma grande sœur étudie les mythes. On va aller voir dans la grotte, du coup, hein. Ça se trouve, aller dans la grotte. Un Pokémon est né et l'intelligence s'est répandue parmi nous pour améliorer notre existence. Ok. Bon, on va aller voir au niveau de la grotte. Je pense pas que ça prenne trop longtemps, apparemment. Des bouts de PTDR. Je peux pas glisser. Mais c'est les deux légendaires, là, de toute façon. J'ai pas le truc sous les yeux, non? Je sais pas. J'ai bien l'impression que oui. En tout cas, bon, on va aller voir. On sera fixé comme ça. Pourquoi il y a une ruche géante, là? C'est quoi, ça? Arrête de disparaître, Yami. Qu'est-ce qu'elle fait, Yami? Elle fait des disparitions ninja en boucle. Calme-toi. Cette ville est insignifiante. Il n'y a rien d'intéressant ici. Non, moi je veux que Ayame évolue. Oh! Bon, après, je dis ça dans ce Pokémon, je l'ai bien aimé pendant un petit moment. Évolution Cornèbre. Je sais plus comment ça s'appelle. Une pierre nuit. J'ai pas de pierre nuit. Et Ayame niveau 28, elle se rattrape. Hein. Elle va être tout à fait jouable. Hein. Je regarde. Ténèbres vol, ouais. J'espère que Google va pas dire du caca. Donc il faudrait une pierre nuit. Cradopo. Yes. Combat, normalement, on a l'avantage. Ouais, faut une pierre, c'est ça. Et c'est bien les légendaires qu'on voit sur les. Les peintures là. Oh, Yami est cool. Hein. En plus, elle a le talent pour faire plus de crit. Donc c'est propre. Bibou. Bibou, tu peux level up s'il te plaît? Comme ça, je t'enlève à tout jamais de ma team. Merci. T'es trop forte! Waouh! Ça vaut pas la peine. Mais. Monsieur, il y a le Pokémon le plus puissant ici. C'est toi la doyenne? Ah mais c'était elle? Je sais pas. Alors ça, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi, jeune dresseuse. Tu as un vrai talent pour le combat. En tant que doyenne, ah oui bah c'est elle. Oh ce gris-gris, puis-je le voir mon enfant? Ça perd l'hypopète, tu dis que c'est ma petite fille Cynthia qui te l'a demandé? Enfin, qui t'a demandé de me l'apporter? Bah tiens madame. Il y a très très longtemps, des gris-gris comme celui-ci ont été fabriqués ici à Celestia. En l'honneur d'une déité qui aurait créé sinon. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Celestia. Maintenant que tu es là, tu devrais au moins en profiter pour visiter les ruines. Ok, je vois un nouveau Pokémon. Moi. Salut Top Chrono. Hello. C'est quoi ces cailloux? Ça se casse pas. Grosse visite. Hein. Je pense qu'il faut revenir plus tard, non? Vous examinez le mur. Il est recouvert de motifs mystérieux. Trois éléments étranges forment un triangle. Quelque chose brille en son centre. Donc il faut faire trois trucs pour avoir le Pokémon, je ne sais pas. Tu te demandes ce que cette peinture représente? Il y a bien longtemps, il existait des êtres. Des êtres dotés de pouvoirs si puissants qu'on les considérait comme des déités. Déités, c'est quoi ce mot-là? Trois autres Pokémon existaient également, comme pour contrebalancer leur pouvoir. Ces trois Pokémon formaient une sorte de triangle garant de l'équilibre.
C'est ce que dit une vieille légende de Sinnoh que l'on raconte encore à Celestia. Au fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être utile. Je vais t'en faire cadeau. Ça appartenait à ma petite fille, mais elle n'en a plus d'utilité. Code passage, mais déjà dire bonjour, c'est très bien, top. Hein. Bah, c'est top. Ok, pardon. What? Oh, surf. What the fuck? Merci. La meuf, elle me file surf comme ça. Par contre, j'ai vu une vidéo, je crois qu'on surfe sur le castor. C'est horrible. Bon, ça, on verra plus tard. Pour l'instant, ne me donnez pas d'indice sur ce mystère. Je pense qu'il faut trouver 3 Pokémon, enfin les 3 premiers pour avoir le dernier. Je ne sais pas, on verra plus tard. Le gars se spoil. Non, j'ai juste vu une vidéo de gameplay et... Oula. Jean-Jacques de la Team Galaxy, c'est qui? Oula, un angle cosmique, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mon nom est Helio. Je cherche le pouvoir de créer un nouveau monde. Un monde sans conflit. Un illuminé. Ah, c'est pas si que je le trouverai. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Au Mont Couronné. Préviens-moi si tu découvres un pouvoir attaché aux légendes de Sinnoh. Non? C'est un fanatique. Pourquoi? Pourquoi il y a un bug de texture sur la montagne? Attends, il a disparu le bug. Ah non, c'est à plusieurs endroits, d'accord. Ouais, bon, c'est passé, c'est trop bizarre. Il y avait des traits noirs au niveau des fleurs. Ah si, ça revient des fois. Ce jeu est merveilleux quand même. Tu vois les lignes? Il y a des lignes noires, des... Oh putain. Bon bah de toute façon, on va arrêter là. Pierre nuit, je sais pas où on en chope. Là techniquement, je dois faire quoi avec mon surf? Tu vois, il n'y a aucune cohérence. Tu récupères surf? Ah bah, va à l'arène, ok. Ok. Bah, on ira. Du coup, je vais couper là-dessus. Hein. On va ramasser les petites baies ensemble, histoire de conclure cet épisode de la plus belle des manières. Ça y est, t'as commencé Genshin? Ah, est-ce que tu as rencontré genre Amber? Alors, si t'as joué plus de 20 minutes ou pas. Non, je veux pas planter, c'est trop chiant, je ne le couperai jamais, je récupère juste ça. Quoi qu'il en soit, l'épisode on va le couper là, on est un épisode de 37 minutes, c'est très bien. On va se faire une petite sauvegarde ici. Et puis du coup la prochaine fois on ira en direction de la prochaine arène. Parce qu'au final on n'a pas fait d'arène mais il s'est quand même passé des choses cool. Donc au final je suis assez content de cet épisode, enfin, de cette session globale, c'était plutôt sympa. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Ciao.